Bonjour à tous, l'aquarium que je vous présente aujourd'hui, c'est mon aquarium de concours pour l'année 2020. C'est l'aquarium qui a été réalisé au showroom d'Aquarellis. C'est un aquarium qui vit malheureusement ses dernières heures puisqu'il va bientôt céder sa place à la nouvelle version. L'occasion unique pour moi de vous le présenter aujourd'hui et de vous montrer exactement ce que j'ai pu faire avec. Cet aquarium fait 300 litres, 1,20 m de longueur pour 50 cm de profondeur et de hauteur. Vous voyez que l'originalité de cet aquarium a été de travailler un point de fuite caché par la partie qui est juste devant avec ses grosses racines. Pour amplifier cette ligne d'horizon, j'ai rajouté une ligne rouge qui venait pointer sur l'arrière, qui est également retravaillée en fuite sur le côté. Ces racines que j'ai utilisées sur ce projet sont des Riverwood. Elles ont la particularité de proposer des formes assez massives, un bois assez structuré, travaillé, qui ne relargue pas pour autant beaucoup de tanins, donc on peut travailler assez facilement en aquascaping. Les plantes que j'ai utilisées me permettent également de travailler cette perspective avec des plantes avec un peu plus de détails sur l'avant et qui vont terminer sur des parties plus petites à l'arrière. En termes de vivant, j'ai choisi sur ce projet de mettre des cardinalis. On est déjà sur des contrastes végétaux, il fallait un complément, quelque chose de différent au niveau des poissons, d'où le choix de ces cardinalis. Les crevettes, c'est plus une satisfaction personnelle, c'est parce que j'apprécie beaucoup ces crevettes qui sont des blue velvet. Ces dernières ont une couleur bleue très foncée, très prononcée, elles sont vraiment très belles comme vous pouvez le voir sur ces images. Voilà, j'espère que la présentation de cet aquarium vous aura plu autant que j'ai pris moi-même de plaisir à le réaliser. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront bientôt.